Coucou tout le monde! Hello, comment allez-vous? Alors, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le 2 juin. Ce qui veut dire que nous sommes le jour du comeback de Stray Kids. Je voulais faire un vlog parce que je trouvais ça cool. Mes cheveux sont un peu genre... En fait, je viens d'aller chez le coiffeur pour la première fois depuis des années. Il m'a refait ma décoloration et elle est plus blanche. Enfin, genre voilà. Et il m'a lissé les cheveux, ce que j'aime pas trop. Parce que je ressemble à un personnage d'animé maintenant. Bref, c'est pas grave. Nous allons donc regarder le MV qui vient juste de sortir, enfin qui est sorti ce matin. Qu'est-ce que je vais dire? Je suis perdue. Ah oui, le comeback s'appelle... L'album s'appelle 5 Star et la title track s'appelle S-Class. J'ai regardé à peu près tous les trailers. J'ai juste pas regardé l'intro où ils expliquent un peu toutes les chansons, etc. Parce que j'ai pas eu le temps de la regarder. Tant pis, je regarderai après avoir écouté l'album. Mais je voulais filmer ma réaction. Mais genre ça sera pas une vidéo réaction en mode je mettrai le clip là et je montrerai ma réaction. Juste, je vais juste montrer ma réaction un peu vite fait comme ça. Je suis contente parce que... En vrai, je suis pas en forme aujourd'hui. Ça se voit pas parce que je suis toujours hype quand je parle à la caméra, mais je suis vraiment pas en forme. Du coup, je pensais être pas vraiment dans le mood pour le comeback de Stray Kids. Et en vrai, je suis pas vraiment dans le mood. Mais je suis quand même contente et ça m'apporte quand même de la joie. Du coup, dans cette vidéo, je vais regarder le MV et je vais aller chercher mes albums et les unboxer avec vous. Bon, je vais regarder le MV parce qu'en plus, mon ami m'attend pour le regarder avec moi. Ok, let's go. What the... Oh my god... Wow. Oh. 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 Oh my god... J'étais présent. Oh my god, il faut que je regarde encore une fois. Wow. J'ai toujours peur. En fait, je leur fais vraiment confiance à Stray Kids parce que... Genre c'est vraiment... Enfin, 80's et Stray Kids, c'est vraiment les groupes où je sais que quoi qu'ils fassent, c'est quasiment sûr que je vais aimer. Et genre, Maxident, j'avais un peu moins aimé que tout le reste. Mais j'avais quand même aimé, genre c'était pas... genre j'avais pas aimé, enfin bref. Mais j'avais un peu moins aimé, mais ça c'est vraiment exactement... Ah, j'aime trop. Oh my god, j'aime trop. Oh, faut que je réécoute encore une fois. Oh my god, je suis trop contente, j'aime trop. Wouh. Oh, le clip est ouf aussi. Oh mon dieu, le clip est ouf. Ah, j'ai fait ça. Ah mais le clip est trop bien, purée. Bon. Alors, ok, je voulais regarder la stage, mais il faut que je fasse un... J'ai un truc à faire, il faut que je sorte. Du coup, je vais sortir, je vais aller faire le truc que je dois faire. Et après, je vais aller à la Fnac parce que... Ils ont déjà les albums de Stray Kids. Oh my god. Parce qu'en fait, maintenant, Stray Kids, ils ont un distributeur européen. Ce qui fait que leurs albums sont disponibles le jour même de leur comeback en rayon. Donc ça c'est incroyable. Donc du coup mon édition limitée que j'ai commandée, elle est arrivée. J'ai reçu un mail comme quoi je peux aller la chercher. Et je vais aller voir s'ils ont les autres versions en rayon. Normalement j'ai reçu un remboursement, j'ai pas regardé, mais normalement j'ai reçu un remboursement d'un truc. Donc je devrais avoir des sous pour prendre les autres albums. Mais je sais pas si je pourrais, je vais regarder ce que j'ai eu comme remboursement pour voir si je peux en prendre un seul ou plusieurs. Et en attendant je vais aller à la Fnac. Donc j'y vais, faut que je m'habille parce que là je suis encore en pyjama. Donc j'y vais, yes, let's go. Ah. Et c'est re-moi. Et maintenant j'ai mes albums. Oh my god. Non. Ah, j'ai pu tous les
prendre. Oh my god. C'est la première fois que j'ai les albums de Stray Kids le jour même du comeback. C'est incroyable. Alors l'édition limitée, je l'avais déjà acheté. Je l'avais préco. Je précommande toujours les éditions limitées au cas où. Elle est trop belle. Les autres sont en noir et blanc et celle-là c'est la seule qui est en couleur. Elle est trop belle. Oh my god. Ensuite on a, c'est quelle version ça? Version C. Qui est trop trop belle. J'adore le thème un peu astrologie tout ça. Astronomie, étoiles, espace tout ça. Ensuite on a celle-là. C'est quelle version celle-là? Version B. Celle avec le dragon dessus. Elle est trop belle pure. Oh. Mais cet album de Stray Kids, il est vraiment trop trop beau. Genre, vraiment, les designers, ils se sont surpassés. Version A. C'est celle que j'aime le moins, parce qu'elle est un peu plus basique. Mais elle est quand même archi belle, genre, regardez. Oh my god. Bon, on commence par la limitée, je pense. Ou alors on finit par la limitée. On commence par la limitée. Oh my god, je suis trop contente. Donc évidemment je ne connais pas les photocards, puisque bah, c'est aujourd'hui le jour du comeback et j'ai évité tous les réseaux sociaux. Pour ne pas voir aucune photocard. Oh my god. Ok. Première page, c'est ça. Et ensuite, on a... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un petit photobook. Un petit photobook. J'ai très envie de l'utiliser dans mon journal. C'est très esthétique, regardez. Trop belle. Ok, ensuite, petit poster. Bon, je n'accroche pas les posters, mais j'ai un peu envie d'en accrocher un au-dessus de mon bureau là-bas. Waouh, il est trop beau. Il est trop beau. Oh my god, il est trop trop beau. Mais il est trop beau. Oh my god. Alors, vraiment, je vais peut-être l'accrocher parce qu'il est vraiment trop trop beau. Un deuxième poster? Ah, donc ça doit être le poster de précommande. Et ça, c'est le poster normal. Ah, c'est un seul membre. Oh my god, Janina. Oh my god. Ok, donc ça, c'est un seul membre. Je me rappelle plus des inclusions, en fait. Je vais à l'aveugle dans l'unboxing, là. Bon, ça, jamais je l'accrocherai dans ma pièce. Mais, il est trop beau. Et ensuite, on a la petite pochette à inclusion. Ok. Oh, le CD, il est beau. Bon, c'est exactement la couverture. Oh my god. Oh, le photobook est trop beau. Oh my god. J'aime trop l'esthétique, genre avec les petites photos comme ça, c'est trop cool. Félix, avec cette tache de rousseur. Ok, 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 ok. Voyons voir maintenant la petite pochette à inclusion. Qu'est-ce qu'on a? Une postcard. J'ai eu celle de Ayen. Oh my god, elle est trop belle. Non mais c'est trop beau. Ok, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est quoi ça? Une postcard. Les stickers. Alors une autre postcard. Mais c'est pas possible, ils en ont mis combien? Une autre postcard. Non mais c'est pas vraiment comment dire, des matériaux postcard, donc c'est pas exactement ça. Les stickers avec le nom des chansons. Tout plein de stickers. Là on passe aux photocards. Oh my god. Oh my god. Il y en a deux. Ouais, il y en a deux. Ok, première. Ah, du sang. Oh my god, elle est trop belle. Oh, j'aime trop le... Elle est très fine, j'ai l'impression. Vraiment fine. Elle est vraiment super fine. Changbin. Ah oui, je l'ai pas dit dans cette vidéo, mais mon bias c'est Changbin. Et je le collecte. Donc, si j'ai des PC de Changbin, c'est vraiment cool. Je suis trop content. Ok, 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 ok. Ok, rangeons tout ça dans la petite pochette. L'édition limitée a été unboxée. Maintenant, passons à quelle version on va faire. Bon, on va faire dans l'ordre ABC. Donc, commençons par la version A. Alors, nouveau photobook, nouveau poster. Première page, comme ça. Ah, par contre, il est en train de se décoller. J'aime pas ça. Je sais pas pourquoi il y a un deuxième photobook à l'extérieur du photobook. Ah bah, c'est le même, je crois. Ah bah non, c'est pas le même. Waouh, mais j'aime trop l'esthétique. Ça me fait un peu penser à l'esthétique de Beatbox de NCT Dream. Et j'aime trop cette esthétique. Jacqueline. Look at him. Oh my god. Waouh, Lino, ils lui ont mis plein de piercings. C'est l'heure de la petite pochette à inclusion. Postcard. Sungmin.
Sangmin. Sangmin, c'est celui que je le pull le plus d'habitude. Oh my god, oh my god, oh my god, les photocartes sont sorties. Les stickers, c'est les mêmes. Les postcards, c'est les mêmes. Ah! 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 C'est une double-sided! Oh my god! Oh, j'aime trop! Ah, c'est Chan! Ok, c'est Chan. Et c'est une double-sided où ils font un... Est-ce que ça va être ça sur toutes les PC? En plus, il a du vernis en haut. Donc, c'est une photo de Chan. Elle est un peu sombre. J'aime pas trop quand c'est trop sombre. Mais j'aime trop le concept. J'espère que toutes les photocards, ça va être un peace sign ou un truc comme ça. Ou un cœur ou un truc comme ça. Félix! Oh my god, il est trop beau! Une photocarte de Félix avec cette tache de rousseur, c'est vraiment... Oh, purée. Trop bien. Je savais pas qu'il y avait une double-sided. Waouh! Version B. Oh, c'est jaune et bleu, j'adore! J'adore. Eh mais... Trop cool, j'ai trop envie d'utiliser des trucs dans mon journal là. Genre, regardez ça. Comment c'est trop cool. Oh, oh my god, Lino. Ok, ok, pochette à inclusion. Félix. Mais j'aime trop l'esthétique purée, genre un peu avec leurs outfits et tout. J'aime trop, c'est trop trop cool, j'adore. Pareil. Et les PC. Je crois que j'ai encore une G-Zoom. Oh. C'est les doigts de qui ça? C'est pas Changmin, c'est pas les doigts. C'est les doigts de Lino. Ah, j'ai eu la double-sided de Lino. Ok. Pouic. J'aime trop. Du coup, ils font tous ça. Et je trouve que c'est trop drôle comme concept. Je trouve ça trop trop cool. Voilà. Et celle-ci. C'est Félix. Oh, elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Oh my god. Ok. Plus qu'un unboxé. Waouh. Il est trop beau. Il est trop trop beau. Oh, mais waouh, mais waouh, mais regardez-moi ça, comme il est magnifique. Changmin. Oh. Ok. Le poster. Waouh. Oh là là. J'aime trop. J'aime trop l'esthétique des posters, vraiment. Je suis trop contente qu'ils aient fait ça. Et les inclusions. C'est la dernière fois qu'on ouvre une pochette inclusion. Mais je les ai vraiment fait dans l'ordre. C'est un truc de fou. Jisung. La poster de Jisung. Ensuite, les... Ah! Oh my god, j'ai vu les... Ah! J'ai pas vu, j'ai pas vu. Ça, c'est les mêmes. Je crois que j'ai vu Sangmin. Sangmin, il me suit, pardon. Je savais qu'il fallait que je le poule parce que je le poule tout le temps. Tout le temps. Dernière photocard de cet unboxing. C'est Ayen. Ayen! J'ai eu la Magneline pour le dernier unboxing. J'aime trop les double-sided, vraiment. C'est trop trop cool comme concept. Il me faut absolument celle de Changmin. Sinon, il me les faut toutes celles de Changmin, donc voilà. Mais Oh my god, je suis trop contente. Ah, j'ai trop hâte de collectionner, de trade et tout, ça va être trop bien. Ah, merci maman de m'avoir payé un album. Merci K-pop Flex d'avoir été déplacé, comme ça vous me remboursez mes billets, la bande de clowns. Voilà, donc, voilà pour l'unboxing. Ah, je sais pas si je vais écouter l'album dans ce vlog parce que je sais pas, ça va être bizarre à éditer et tout, ça va être un peu nul. Donc je pense que je vais peut-être pas l'écouter dans ce vlog. Et voilà, je pense donc que ce vlog est fini ici. Je sais pas s'il va sortir parce que je sais pas s'il va être assez long ou quoi. Mais en tout cas, j'espère qu'il vous a plu si vous l'avez regardé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et si vous savez Stray Kids, dites-moi tout. Dites-moi tout, votre bias, qui vous avez pull, quelle est votre chanson préférée de l'album, qu'est-ce que vous avez pensé du clip. Dites-moi tout. Faites-moi un commentaire de 500 lignes, je veux tout savoir, ok. Bientôt, comeback de 80s, j'espère faire le même vlog. En fait, je peux... Ah bah non, parce que 80s n'ont pas de distributeur européen, ni français. Donc, je n'ai pas les albums le jour même. Mais je ferai un unboxing quand même, j'ai commandé 3 versions de leur album. Donc je ferai sûrement un unboxing. Voilà, en attendant, je vais aller monter cette vidéo pour essayer de la sortir au plus vite. Et j'espère qu'elle vous a plu du coup. J'espère que vous allez bien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de prendre soin de vous en attendant. Bisous. Bye.